Salutations chers gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, découvrons la panna cotta à la fraise. Pour cette recette, nous avons besoin de 200 g de sucre, de 4 feuilles de gélatine, de confiture de fraises maison, de 2 gousses de vanille, d'un litre de crème liquide, et de quelques fraises. Je commence par faire chauffer la crème avec le sucre et la vanille. À ébullition, j'arrête le feu et je laisse tiédir. J'ajoute ensuite la gélatine et j'attends qu'elle soit parfaitement incorporée pour la suite de ma recette. Il ne me reste plus qu'à remplir des verrines qui iront au réfrigérateur et lorsque la préparation sera suffisamment prise, je pourrai faire fondre de la confiture de fraises maison pour mettre dessus. Puis, je pourrai décorer les verrines avec une fraise fraîche. Voilà, j'espère que cette recette toute simple vous a plu. Elle m'a coûté environ 8 euros pour 6 verrines. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez adoré. Merci à vous, à bientôt!